Bonjour les amis, comment allez-vous? Dans cette vidéo 2 sur le thème aimer avec le corps, nous allons voir qu'il est très facile d'aimer justement avec le corps. Alors déjà, une première chose, lorsque je parle d'aimer, je parle dans le sens du ressenti. C'est l'expérience d'aimer façon épurée, nettoyée, assainie de toutes les notions spirituelles, religieuses, amoureuses, de tout ce qui est connoté, associé en général à l'amour ou à aimer. Donc pour cela, une des premières choses que nous pouvons faire pour pratiquer aimer avec le corps, c'est simplement à partir d'un questionnement. Par exemple, comment ça se sent aimé dans la poitrine. On fait une pause et on s'ouvre à la sensation qu'aimer doit venir du corps. Comment aimer, comment ça se sent aimé dans les bras, dans les mains. Comment ça se sent aimé dans le ventre, dans l'abdomen. Comment ça se sent aimé dans le bassin, les organes sexuels. Comment ça se sent aimé dans les jambes, dans les pieds. Comment ça se sent aimé dans la tête, dans la gorge, dans le dos, dans les épaules. Donc, à partir de ce questionnement et d'une pause, on se met à l'écoute, on essaye, pas essayer, on s'ouvre en fait à aimer. On s'ouvre à l'expérience d'aimer que l'on a déjà fait dans sa vie. On a l'expérience d'aimer un café, un plat, sa chérie, ses enfants, un animal, sa voiture, une activité, la nature, etc. Donc, nous connaissons aimer. Et là, l'idée, c'est d'activer aimer consciemment, j'allais dire, dans le corps, avec le corps, par ce type de questionnement. On peut aussi pousser le questionnement pour encore amplifier la chose. Par exemple, comment ça se sent aimé avec l'entièreté du corps? Et qu'est-ce qui change dans mon expérience au présent de sentir aimé avec le corps? Qu'est-ce qui change au présent, l'expérience d'aimer avec le corps. Et là encore, on est dans la pause, dans l'écoute. On ne cherche pas avec des mots, je dirais, on s'ouvre à la sensation, on s'ouvre à aimer et qu'est-ce que ça nous suscite en nous. Donc, aimer avec le corps, on le voit, peut être simple. Ce n'est pas ritualiste, ce n'est pas se mettre dans le religieux, dans le spirituel, dans les anges, dans l'amour divin, dans ni le côté romantique, ni le côté toutes ces associations. Non. L'expérience que je propose, c'est de s'ouvrir à l'expérience d'aimer et de laisser aimer dans sa nature réelle, dans sa nature épurée, dans sa nature, je dirais, presque originelle, car aimer vient de l'amour, quoi que l'on puisse dire derrière ou signifier derrière ce terme, cette énergie. Et donc tout le but, en fait, c'est cela, c'est simplement pratiquer à sentir aimer dans le corps, avec le corps. Alors, au départ, on peut le faire dans une pratique, je dirais, immobile, comme la méditation, une posture de méditation, simplement parce que ça facilite la concentration, ça facilite de ramener son attention en soi, à l'écoute de soi. Ensuite, ou
A contrario, pour ceux qui n'arrivent pas à rester immobiles, il y a l'exercice de la marche consciente. Et là, eh bien, tandis que je marche sur un chemin plutôt libre, tranquille, où je n'aurai pas de distraction, où je n'aurai pas contrôlé les voitures, s'il y a un danger ou quoi que ce soit, donc dans un lieu calme et plutôt sécurisé, c'est marcher en s'ouvrant à aimer. Alors comment ça se sent de marcher avec aimer dans le corps? Ou comment ça se sent aimer en marchant? Qu'est-ce qui change dans mon expérience de marcher en sentant aimer avec le corps? Vous voyez, on peut utiliser un certain nombre de phrases, de questionnements qui en fait sont là pour susciter l'ouverture, le ressenti, le sentir d'aimer avec tout le corps. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous donner une phrase clé que vous pouvez utiliser lors d'une pratique méditative, lorsque vous marchez en conscience, ou encore même avant de dormir. C'est lorsque vous êtes assis, donc si vous voulez vous asseoir en position de méditation, je vous invite à cambrer le bassin en arrière, bien en arrière. Pourquoi? Parce que ça facilite le dos droit, ça évite les tensions dans le dos, donc comme je le suis actuellement. Et donc, lorsque vous êtes là, assis, les yeux fermés, dans votre posture méditative préférée, répétez cette phrase avec une pause et un ressenti, assis dans le corps qui pulse au rythme d'aimer. Assis dans le corps qui pulse au rythme d'aimer. Cette phrase vous invite notamment à vous positionner à l'intérieur du corps et un peu à vous ouvrir d'être dans un corps qui pulse au rythme d'aimer. Alors cette phrase, vous pouvez l'utiliser par exemple en marchant. Je marche depuis le corps qui pulse au rythme d'aimer. Vous pouvez aussi, je conduis depuis le corps qui pulse au rythme d'aimer. Toujours faire une pause, s'ouvrir à sensation. Je fais la vaisselle depuis le corps qui pulse au rythme d'aimer. Etc. Vous voyez, en utilisant cette phrase, en fait, vous ramenez votre attention dans le corps et en même temps, vous suscitez une ouverture pour sentir aimé avec le corps. Et enfin, la dernière option, c'est lorsque vous allez dormir ou vous coucher. Eh bien, tout d'abord, je vous invite à faire une pratique de gratitude, du style je suis reconnaissant pour la lumière, pour le confort où je vis, pour avoir des habits, pour avoir un lit confortable, pour avoir passé une excellente journée, pour m'être amusé avec les enfants, pour avoir passé un bon moment avec ma chérie, mon chéri. Bref, tout d'abord, faites un petit exercice de gratitude. Laissez-vous vous ouvrir tout ce qui vous offre du bienfait, du confort, de l'agréable et du coup d'être reconnaissant à l'égard de ce vécu. Et ensuite, eh bien, au moment allongé, de passer, vous préparer au sommeil, on va dire ça comme ça. Vous pouvez répéter allongé dans le corps qui pulse au rythme d'aimer, en posant votre attention dans le corps, justement dans cette ouverture du corps qui pulse au rythme d'aimer. Allongé dans le corps qui pulse au rythme d'aimer. Et là, dans cette pratique-là, eh bien, vous allez peu à peu vous habituer, peu à peu
facilité de sentir aimé dans son essence essentielle, épuré de toute association, connotation religieuse, spirituelle, romantique, sexuelle, d'attachement, aimer les uns les autres au point que si je ne les aime plus, ils me manquent, etc. Là, le fait de pratiquer aimer avec le corps va peu à peu vous libérer des conditionnements, des fausses associations, des associations erronées. Et vous allez retrouver détente, vitalité. Vous allez voir que vous pourriez retrouver de la santé. Les choses vont changer au moins dans votre vie physique, psychologique et spirituelle, quoi que ça veuille dire. Et ça va vous faire que du bien, que du bonheur. Allez, pensez quand même à liker si ça vous a plu ou pas, à partager, plus nous serons les uns les autres à vibrer, aimer avec le corps, plus cela impactera sur l'entourage, sur l'environnement, sur la terre et vice-versa, puisque en aimant les autres auront la facilité à nous aimer et du coup ça va faire une sphère, c'est-à-dire vertueuse au lieu d'un cercle vertueux, plus une sphère vertueuse où les uns les autres, on va partager, s'auto-nourrir d'aimer, d'amour. Voilà. Au revoir.